les Dwayne et Falgor et Oswald, vous entendez du bruit qui provient du grand bâtiment de l'heptaèdre. Mmh. Bah, je jette un œil discrètement avec beaucoup de prudence pour voir ce qui se passe. Attendez deux secondes. Ouais, vous entendez effectivement du bruit provenant de l'heptaèdre. Ces bruits sont matérialisés par des comment je pourrais dire ça. Déjà, il y a plusieurs lumières qui proviennent de l'entrée de l'heptaèdre, une espèce de lumière assez colorée en fait. Et ensuite, des cris de créatures un peu étranges, soit des cris ou soit un cri de douleur ou un cri. On ne sait pas trop, hein, mais il y en a plusieurs en fait, hein, genre de cris. Des hurlements plutôt que des cris. Voilà, des hurlements. Plutôt grave ou plutôt aigu? Ah, là, plutôt grave. Hein. Je propose qu'on fasse le tour du bâtiment et qu'on retourne dans la rue principale et qu'on... Ouais. Ouais. Juste ouais. Pour indication, le cri manifeste pas un moment de plaisir, plutôt un moment de désagrément. Plutôt un moment de douleur, on dirait. Oui, d'accord. Donc je suis Vilmar. Non, je ne suis pas Vilmar, mais je le... Tu es Vilmar ? Je vais derrière lui. Alors, j'ai pas entendu ce qu'a dit Vilmar. Bah, qu'il retournait sur. On recontourne le bâtiment pour retourner dans la rue principale. Voilà. Pour avancer. Ici, comme ça? Ouais. Ok. Donc, entre les bâtiments, vous pouvez voir qu'effectivement, il y a eu l'entrée de l'heptaèdre. Hmm? Avec une montagne de trésors. Et là, t'as Vilmar qui se précipite. Bah sinon, on voit la terre, hein. Tant pis. T'as envie d'en découdre. Et découdre un dragon. Découdre des gars. Et qu'est-ce qui se passe avec l'entrée? On voit un truc particulier? Non, vous voyez juste... En fait, ça forme une espèce de arche assez énorme d'une quinzaine, vingt mètres de large, en fait. Et en fait, c'est cette entrée qui est ouverte, il n'y a pas de porte. Combien en hauteur? En hauteur, je sais pas, fait à peu près... L'entrée fait à peu près 30 mètres de haut, sur 20 mètres de large, à peu près. Est-elle éclairée ou est-elle dans l'obscurité? Ouais, c'est complètement éclairé. Donc, on voit parfaitement le hall d'entrée. Oui, c'est ça, ouais. Ça fait comme une sorte de, comment je pourrais dire ça? Quand tu vas au stade de foot, tu vois, t'as une espèce d'entrée assez colossale pour que tout le monde puisse rentrer. Eh bien, t'as cette impression-là, mais en multiplié par 10, non, quoi. C'est vraiment énorme. Mais est-ce que... Donc, est-ce que des créatures, vous voyez? Oui, non. Puisque tout est éclairé, qu'est-ce qu'on voit? C'est plutôt... Il n'y a pas âmes qui vivent, super, mais... Bah, tu vois, en fait, au fond, peut-être quelques gradins, des choses comme ça. Et puis une sorte de commande de piste, des débuts de piste en terre battue. Et c'est éclairé par quoi? Des torches, des feux grégeois? Non, pas du tout. Vous avez l'impression que c'est plus des commandes, de la magie en fait, hein, qui proviennent des lumières. La lumière en fait qui est projetée comme ça de temps en temps par une espèce de globe lumineux qui volette. Donc c'est vraiment purement de la magie en fait. Hein. Un beholder de temps en temps qui passe et... Non, il n'y a pas de créature à votre vue. Bon, Vilmar, tu proposes de foncer tête baissée dans le piège ou pas? T'as dit non? J'ai dit non. Non. Je t'écoute. Est-ce que vous restez un instant pour... Le moment de pression de... Ouais, de salt. C'est un sort que je me lance tous les matins comme l'armure de mage.
Donc, c'est juste que je l'avais pas cramé. Mon moment de pression, ça me permet, quand je veux, dans la journée, même après coup, enfin, avant de lancer un test, de me mettre mon bonus de niveau, donc 16. J'ai d'attaque, de sauvegarde, de ce que je veux. Plus 16 à mon test. Par exemple, tu fais un moment de pression et puis hop, tu le mets avec un petit, une petite désintégration. Tu vois. Mais bon, il faudrait déjà passer la résistance à la magie. La question que tu nous posais, Stéphane, c'est de savoir si on attendait quelques minutes, c'est ça? Oui, oui. En fait, alors que vous êtes caché dans les bâtiments, etc., ouais, vous voyez l'ombre de, du dragon bleu revenir vers vous, en fait. Il passe au-dessus de vous. Ouais, il nous cherche et ouais, il s'approche. Je le sens pas cette affaire. Vaut mieux rester dans le bâtiment ou enfin, caché. Le temps qu'il... Est-ce que vous surveillez le... comment la créature, le dragon bleu, des yeux pour savoir où elle se dirige. Bah, oui. Alors vous voyez qu'effectivement elle se dirige. Apparemment elle en a fini d'observer dans cet endroit-ci. Elle retourne là où il y a mon doigt, par là. D'accord. Ah oui, là d'où elle venait. C'est ça, là d'où elle venait. Avec le... Vous arrivez pas à voir où elle se pose. À cause des bâtiments colossaux qui bouchent la vue, etc. Mais vous pensez qu'effectivement c'est dans ce secteur-là. D'accord. Vous attendez encore 2-3 minutes pour bien être sûr qu'elle ne revienne pas et elle ne revient pas. Nous avançons le long de la rue. En longeant les bâtiments. Jusqu'ici ? Mmh. Jusqu'ici tout va bien. La demi-part de tarte avec des pruneaux dessus, c'est quoi? Putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Que des références à la bouffe, hein. C'est un peu, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a un film qui sort là-dessus, ça a l'air sympa. Ah, lequel? Parce que moi, excuse-moi, ta vision des bâtiments en bouffe, je vois pas du tout. C'est... Il y a un doigt qui se balade, montre-moi avec le doigt. Je te prends avec le doigt, celui-ci. Juste à côté de là où on est. Tu vois bien, ça ressemble quand même à un gâteau coupé en deux avec des petits trucs dessus. Antoine, t'avais reconnu. Et soyons clairs, Steph, tout ton plan ressemble en fait à des différents desserts. bah oui. Il y a une part de gâteau au chocolat ici. Là, il y a des donuts. Putain. On continue les baba au rhum ici. C'est ça. Non, c'est sans intérêt. D'accord. Par contre, le bâtiment qui est à côté, effectivement... Ah. Ça, c'est meringué. Ouais. C'est meringué. C'est blanc. C'est une structure massive qui est séparée de la route par une rangée de tours aux parois ondulées, coiffées de proéminences striées et des dômes en forme de bulbes. Il y a des multiples balcons qui s'ouvrent dans ces tours et surplombent la ville en ruine. Apparemment, ça semble être un temple, en fait. Qui a été construit sur une plateforme surélevée qui domine tout le complexe. Et il y a des runes tassiloliennes et des sidérons à cette branche qui sont les principaux motifs gravés sur les murs de ce temple. Bah, on s'approche du temple. Ok. Les runes de sidérons, Oswald va vouloir les lire de toute façon. Pas fou. Je bouquine tout ce que je peux au passage, mais on va vers le temple. Ouais. Vous allez vers le temple. Donc vous voyez que les portes du temple sont ouvertes et vous avez un moment où vous mettez un pied en arrière parce que vous voyez une énorme statue de Karzoug et la statue en question ne bouge pas celle comme il y avait un moment dans la vous aviez rencontré une espèce de statue énorme de Karzoug. Celle-ci semble inerte. Donc ouais, elle est vraiment une statue énorme de Karzoug.
qui part du sol du temple et va jusqu'au sommet d'une pagode, pardon. Et en fait, il y a deux pagodes qui sont ouvertes et creuses qui donnent sur la nef du temple et le couronnement. Il y en a une qui abrite, comme je l'ai dit, une immense statue de Karzoug. Et puis de l'autre, vous voyez... qu'est-ce qu'on voit ? Bah, il n'y a plus rien. Ça a été, il devait y avoir une statue à l'époque ici, mais elle a été brisée. Il n'y a plus rien. Elle est vide. Le sol situé au-dessous est incrusté d'un motif en or qui représente une main griffue enserrant une gemme. Alors tout de suite, t'as déjà vu ça. C'est la rune de l'avarice. Ah, c'est Vilmar. Vilmar. Ah là. Mon enfance. Toute mon enfance. Là, je vais te demander un jet en histoire, Oswald. Oh, les autres aussi hein, peuvent le faire, mais. Mais surtout Oswald. Mais surtout Oswald. Histoire. Ah, ça tombe bien, c'est là où je suis le plus fort. Ah, ça tombe bien, c'est là où je suis le plus. Ouais, tiens. Ok, donc effectivement, t'as lu des choses sur cette espèce de temple qu'on appelle la maison de la divine consommation. Divine consommation. Ouais, de la divine consommation. Ça a parlé à Vincent, ça. Consommation. Non. Alors, ce que je peux te dire sur cet endroit, c'est que la maison de la divine consommation servait en fait de point focal à la religion officielle du Shalast. Elle a été inventée par Kaladurnae, le premier seigneur en fait de l'avarice, et révérait la philosophie et les doctrines ésotériques de la cupidité. Cher à Vilmar. À Vilmar. par tradition, dans cette maison de la divine consommation, la grande prêtresse du temple était toujours une immense créature appelée une sorcière l'ami. L'ami. Petit déjeuner. Pas Alexandre. Hein. Oh, les bêtes là. Non, bah c'est pas grave. Qui portait le titre de et ça je l'invente pas de voilà. Première. Ah c'est une bonne chose. Donc cette première représentait la plus haute autorité de la ville basse et ne répondait qu'aux fonctionnaires de la ville basse. Ouais, les plus hautes de la ville basse, la plus haute autorité de la ville basse. Je vous rappelle qu'il y a une ville haute. Et est-ce que le plus bas de la ville haute est au-dessus de la première? Ta gueule. Donc elle répondait qu'aux fonctionnaires qui avaient l'honneur de résider dans les tours de Xin Shalast, à moins que Karzoug ou un de ses représentants de la citadelle ne la contredise. Et les édits de la première faisaient les lois. Bon, avec le résultat que tu m'as fait, je peux te donner d'autres informations. Tous les édits qui sont sortis depuis... C'est ça, depuis 10 000 ans. Ouais. Alors, en fait, vous avez... Enfin, tu sais que la maison de la divination est encore en activité. Et qu'il y a une grande prêtresse qui est donc une sorcière l'ami, puisque par tradition, c'est toujours une l'ami qui est une sorcière l'ami qui préside. Et tu as dû lire dans différents, peut-être parchemins ou livres, etc., que sa prêtresse, la grande prêtresse actuelle, se nomme la première Séoptra. Qui est fidèle à Karzoug. Oh. Bon. Mais j'en dis tout ça. Ouais. Il y a encore une grande prêtresse l'ami fidèle Karzoug là-dedans. Ça sent pas bon. On a le choix. L'heptaèdre, le dragon, l'ami. Il y a du bon monde. À vous de voir.
Ouais. On va peut-être pas visiter alors. Y a une porte ouverte ou... Ah bah Bleu. oui. Une journée porte ouverte, tu veux dire? Non, elle est bleue, elle est bleue. Oui, les portes sont littéralement ouvertes. C'est comme ça d'ailleurs que vous pouvez voir que l'ensemble semble vide en fait, hein. D'accord, et donc Non la occupé. mine n'est pas là. Non. Non. On pourrait jeter un oeil quand même. Les sœurs Lamy sont pas là. Ouais. Bon bah jetons un coup d'œil alors. Il y a 5 minutes, il y avait le même qui disait oui mais non, c'est peut-être dangereux. Ouais, mais bon. Mais il se souvient des trésors qu'il a récoltés de la Ouais, mine. mais une lamie c'est facile, voilà, Oui, on peut il se la s'accroche faire. sous la Alors qu'un dragon dent. bleu, bon. Allez, vas-y, Bah, roule. les amis de mes lamies sont mes amis. Oui, roule, roule, roule. Si la lamie te trouve à son goût. Miricoré. Ouais. Du petit déjeuner, nous. Personne n'a une autre blague avec l'ami? Si, pain. Alexandra. L'ami de pain. Oh, Gaël a sûrement Gaël, il la plein, s'endort. Non, non, Mais... il est fatigué, Gaël. La mitigée. Mitigé. Donc vous entrez à l'intérieur du temple Ah, moi j'aurais dit minoré. de la maison de C'est la pas un divine enfer. consommation? Ou pas? Oui. Ouais. Allez, Vilmar, on Oui, pousse. et on consomme. Ouais. On pousse. T'attends dehors. T'attends T'attends. dehors? Ok, Oh là là. d'accord. Il attend le dragon Fulgué? dehors. Voilà, je me cache derrière Un petit pylône. le tonneau de Poiscaille là qui traîne et Tu vois, puis. finalement, j'avais raison. Hein. Le groupe se scinde en deux. Bah, en fait, rapidement, vous apercevez qu'il n'y a pas âme qui vive à l'intérieur de ces murs. Et que la couche de poussière au sol fait penser qu'il n'y a pas d'activité. Ah. Que s'il D'accord, mais devait y est-ce qu'il y a des choses à avoir... dérober? Non. Pas du tout. Et que effectivement, si première Séoptra devait être là, elle n'est plus là. Donc elle a peut-être déménagé. Mais elle n'a pas laissé sa nouvelle adresse. En tout cas, les lieux sont vides. On cherche quand même, du coup. Faites-moi des jets de perception dans la tour cachée, s'il vous plaît. Seulement ceux qui sont dedans. Oui. Perso, je cherche. Ok. Bah, pendant quelques minutes, vous commencez effectivement à inspecter les lieux, les différents corridors qu'il peut y avoir, les différentes pièces. Vous voyez que les portes, certaines sont ouvertes et il y a du mobilier, mais rien de bien clinquant ou autre. Et finalement, au bout de 5-10 minutes, vous apercevez qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose sous la couche de poussière. Pas d'endroit, passage secret, choses comme ça. Il y a des espèces de petites cellules en fait, hein, faites pour les prêtres, les prêtresses qui seraient ici, mais tout ça semble abandonné depuis des lustres. Il n'y a pas d'odeur particulière à part celle du renfermé et de la moisissure, mais aucune odeur voilà, vraiment particulière dans ces lieux. À part remuer de la poussière, c'est tout ce que vous faites. Eh ben, on s'en va de Détection de là. magie. Oui, on peut toujours faire une détection de magie, ça c'est gratuit, donc. Ouais, à part ce que vous avez sur vous, la détection de la magie n'apporte rien. Et bon, on se tire d'ici. C'est juste qu'il y a quelque part, il y a une lamie qui veut nous défoncer. Déjà pas mal. Qui traîne, ouais. Bah Non, si, c'est une amie à Karzoug, sachant que Karzoug nous aime pas trop. l'ami de Vilmar. C'est certainement Avec un peu de chance, c'est une cousine ou une sœur campé sur d'une un qu'on a piège. déjà déposée. C'est comme les Lopez, ça, ils sont tous cousins, quoi. C'est ça.
Alors, du coup, on s'en va, on va où? Peut-être, c'est l'ami. Ou si vous devez affronter le dragon, ça serait peut-être, je sais pas, vaut mieux le faire dans un endroit pas trop dégagé, non? Parce que s'il peut s'envoler, nous souffler à la gueule comme il veut, tactiquement, je pense que c'est pas une bonne idée. Je sais pas ce que vous en pensez. On est peut-être pas obligé de se le faire non plus, hein. Non, mais si on peut éviter, moi je suis pour. Hein. On évite alors. Et ah bah... les ptèdres, du coup, on l'évite aussi. On va pas voir. Ça, c'est ça, ça fait un. Ça, les ptèdres. Les ptèdres, ah. Qu'est-ce qu'on fait? On l'évite aussi ou on va jeter un œil? On est. Oui, bah de toute façon, là, on l'a évité. Hein. Ouais, moi je serais pour éviter les ennuis, mais. Quand on aura tué Karzoug, on reviendra faire le ménage. Ouais. J'ai un doute. Au nom de Dieu. On sera niveau 45. Allons-y. On trace alors. Donc, vous tracez votre chemin et vous arrivez, je suppose, à la sortie de la ville basse. Ah oui. Ouais, c'est ça. Et là, maintenant, il y a une montagne de... 9500 mètres, exactement. Il vous attend. Il est où l'ascenseur? Alors, je vous remontre la petite. Alors, ça. Hop. Là, t'as un sort pour nous faire respirer en altitude? Bah non, on a des potions pour ça. Élixir des sommets. Élixir des sommets. Ah oui, c'est vrai.